As you can see, we have an army now, Drac. You can't hide anymore. You know how the story ends. You're alone, and Van Helsing here kills you. But that's not your story anymore, Drac. I'm here to help you rewrite your fate. How? Bite him. Gladly. The worst of us will be the best of us, but only when we free the others. We're running out of time. Let's go. The others? More monsters. I'll explain on the way. But right now, I need one of your fangs. D2875 impacted something while scanning the planet Kalanthak for terraforming. Propulsion systems seem intact. I'm gonna try and get it back up and running. Huh. Looks like the orbital scanner's been separated from the drone. Most likely due to impact. There's debris leading to a cave nearby. Possibly the work of scavengers. Moving to investigate. Just in case. Of course, it's my last day and I have to go into a dark, scary cave. Let's just do this.
If anyone can hear this, my ship crashed into a drone. I'm in a cave. There's a hostile creature in here with me. I don't know where it is. I'm sending coordinates, please. Hurry. Coordinates now.
belated birthday. Yes. Morning.
fait pas trop chaud sous votre drap? Bah non. Restons pas là, on va chauffer la crève. Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes décédé? Quoi? Fantôme, fantôme. Ah, peu de choses près, t'es bien mort, y a pas de doute. Oulala, c'est mauvais signe ça, non? Bof, oh, t'inquiète pas, c'est pas grand chose. Tu te souviens vraiment plus de rien? Bah non. Bon, t'inquiète donc pas, on va régler ça demain matin. Une bonne nuit de sommeil et ça remet les idées en place. L'autre fois, je suis en forêt, pour une bricole. Et là, je vois une tourterelle des bois. J'en parle à mon pote ornithologue, François. Il me dit, arrête tes conneries, il n'y en a plus par ici en cette saison. Bah, c'en était bien une. Mais ça, je l'ai appris que bien plus tard. La science, faut pas toujours compter dessus. Pierre Durand? Non. Jacqueline Clément? Non. Inconnue au bataillon. Catherine Desnos, Patrick Berlioz, Jacques Durand. Non. Ah, accident sur la nationale. Antoine et Elisabeth Dupré. Nope. Après l'entrée des violonistes, c'est au tour du bidorneau de sortir de sa coquille. Fou B12 en C13. Ça claque, non? On y verra plus clair comme ça. Mm-mm. On a visité plein d'autres cimetières. On a eu le droit à 1000 explications différentes. On m'a même conseillé de prendre la foudre à nouveau. Et vous l'avez fait? Oui, mais ça n'a pas marché. Je comprends pas. Pourquoi je peux pas mourir comme tout le monde? Écoutez, d'habitude, je m'efforce plutôt d'empêcher mes patients d'atteindre cet objectif. Bon, je préfère pas me prononcer sur un cas pareil. 7h30? Nickel. Très bien. À mardi, docteur. François, mais cherche le fantôme. Tu l'as vu ou pas? Dis donc que je fais ce métier, c'est la première fois que je tombe sur un cas comme celui-là. On se rappelle, François. Mais mes collègues, ils en revenaient pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. Ça a l'air si simple. Qu'est-ce que j'ai fait pour rater ça? Tu prends un peu ton temps. C'est pas plus mal aussi de prendre son temps. Prendre son temps, d'accord, mais je ferai quoi quand toi tu seras mort? Je suis désolée d'être partie sans prévenir. T'en fais pas. Je t'ai même pas remercié pour tout ce que tu fais pour moi, Arthur. Y a pas de quoi. On se marre bien quand même. On rentre? Allez, t'as raison. On va se choper la crème.
Monter.